apostolic to establish it and to bring in normality that which the enemy came to destroy. Pour établir et ramener ce que l'ennemi a voulu détruire. In normality. Pour ramener à la normalité des choses. And I pray that today. Et je prie pour qu'aujourd'hui, it shall be a beginning to greatness. Ce soit le commencement de grandes choses. Amen. Is bigger than your size. Votre amen n'est pas proportionnel à la grandeur. Amen. So you all look wonderful, and I'm glad to see you all. Vous paraissez très beau, et je suis très content de vous voir. Amen. Amen. Thank you, Pastor Serge. Merci, Pastor Serge. When I can see Eddie here, also has been very good to me. Je vois si Eddie est grand avec moi. Maman Nicole, God bless you. I see Beatrice, God bless you. I can see faces. Je vois les visages qui sont familiers. Jenny over there, God bless you. Yeah, and the husband, yeah, et son mari. Yeah, some new faces I'm seeing. But it's just a blessing. I can see Amin and everybody over there. Amen, amen. And blessing my sister is here. God bless you, my small sister. I am a petite sœur qui est ici. Yes. Amen. Amen. I think I've just seen him on the pictures and I've seen him today. God bless you. And everybody here. Et tout le monde, I'm going to see you personally. Amen. Because all that God has placed in me shall surely be manifested. Parce que tout ce que tu as placé en moi va se manifester aujourd'hui. Amen. You may take your seat for a minute. Vous pouvez vous asseoir. Wonderful, wonderful. C'est merveilleux. My name is Prophet Joel. Mon nom est Prophète Joël. And we started the ministry in Kenya. Nous avons commencé notre ministère au Kenya. I started in 2014. J'ai commencé en 2014. But we launched the ministry in 2018. Mais nous avons vraiment ouvert le ministère en 2018. When my spiritual father came. Quand mon père spirituel est venu, and they blessed us and they released me. Il nous a bénis et nous a libérés. And that's the time that we launched the ministry properly in 2018. C'est en ce moment-là que nous avons proprement dit commencer le ministère en 2018. In Kenya, Nairobi. Au Kenya, à Nairobi. And from there. Et à partir de là. Greater things the Lord has begun to do in the midst of Kenya and Nairobi. Des grandes choses que le Seigneur a commencé à faire à Nairobi au Kenya. And today we have three branches. Et aujourd'hui nous avons trois paroisses. Cellules. Yeah. In Kenya. Au Kenya. And there is more to come. Et il y a d'autres qui vont arriver. That's by the end of this year already that we will launch more branches. D'ici la fin de cette année, nous allons encore ouvrir d'autres cellules. And the amazing things were the branches once they are open. Et il y a une chose merveilleuse quand une cellule est ouverte. God fills it up. Dieu la remplit toujours. Amen, amen. Like the recent one when we opened it, it is overflowing. La toute dernière qu'on a ouvert, il déborde déjà. And we are now tempted to move on to another place. Nous sommes maintenant tentés d'aller à un autre endroit, déménager. And I pray that that same grace shall be manifested in France. Et je prie que la même grâce soit manifestée ici. Amen, amen. If it's your first time to listen to me today, si c'est votre première fois de m'écouter aujourd'hui, so really be attentive. Soyez attentif. Because we discuss quite a lot of deep things. Parce que nous allons parler des choses un peu plus profondes. Because one thing I can say in my ministry is religion. Parce que une chose que je vois dans mon ministère, c'est la religion. That I against. Okay. That's a wrong question. Yeah. That I don't like. Que je n'aime pas. It's religion. C'est la religion.
Because Christianity is not religion. Parce que la chrétienté c'est pas la religion. Christianity is Christ in you. Le christianisme. Yeah. It's not a religion. Ce n'est pas une religion. But it is Christ in you. Mais c'est Christ en vous. That's why it's called Christian. C'est pourquoi on appelle chrétien. That's been Christ in you. C'est-à-dire Christ en vous. It's more of a religion. C'est vraiment au-delà de la religion. It's more of a relation. C'est beaucoup plus une relation. Than just to gather in dressing and meeting. Juste s'habiller et venir se rencontrer ici. But it's more of a relationship that manifests the God you serve. C'est beaucoup plus une relation qui manifeste Dieu en vous. And that's what one of the things also God is going to do. Et c'est parmi les choses que le Seigneur va faire ici. Amen. All right. So I wanted actually today, since it was a press conference. J'aimerais aujourd'hui, comme une conférence de presse, quelque chose comme ça. I would love more to hear from the people. J'aurais souhaité écouter beaucoup plus de vous, des gens. But before me to address that. Mais avant de commencer à cela, I will maybe have some time to talk a bit. J'aimerais avoir un peu de temps pour parler un peu. To explain certain things. Pour expliquer certaines choses. What has been happening in Europe? C'est pas en Europe. And specifically also in France. Et beaucoup plus ici en France. Because I saw revival will shoot from France and hit other nations in Europe. Parce que j'ai vu les réveils commencer à partir de la France et se répandre dans les pays de l'Europe. That's a good place to say amen. Amen. I saw revival that will start from France. J'ai vu les réveils commencer ici. And that will shoot other nations in Europe. Se répandre vers d'autres nations en Europe. So that means there are people God is going to raise from France. C'est-à-dire il y a des gens que Dieu va élever à partir de la France. Yeah, God is going to raise people from France. Dieu va élever des gens à partir d'ici de la France. Amen. Amen. How are you? Comment? Ça va? Ok. Je veux les aider à essayer de t'oppresser. Je veux l'oppression sur ta mission. En toutes choses. En toutes choses. T'as liberté. Amen. Je n'arrive pas, you back me up. Ok? Je suis marié avec une très belle femme. Hein? Oui! Et nous avons trois enfants. Amen. Trois enfants d'un homme. Que Dieu soit loué pour ses grâces. Amen. Et ça a été vraiment avec l'accélération prophétique. Amen! Gloire au Seigneur. Je crois que si vous n'êtes pas marié, il y aura sur l'accélération profonde. Amen. Alléluia. Amen. Well, Dieu est très bon et vraiment merveilleux. Amen. Je vis Dieu se démontrer dans ma vie et se montrer prophétiquement dans ma vie d'une façon extraordinaire. Amen. Extraordinaire. Être au Kenya et être foreigner, étranger. Ce n'était pas facile. Parce que les Kenyans, ils ont leur façon de faire les choses. Et nous, les Congolais, là où nous venons, nous avons aussi la façon de faire les choses. La religion, elle est très forte au Kenya. Catholique et anglicane. Si vous écoutez anglicane, vous connaissez l'anglicane. Donc l'anglicane a dominé fortement la catholique aussi. Vous pouvez penser que les catholiques, ils ont le overflow. Overflow, c'est en abondance. Donc, les gens viennent en abondance, ils ont même l'overflow. Ok, si vous partez au Ghana, les catholiques sont en train de tomber. Les Congo aussi, les catholiques, c'est comme ça maintenant. Mais au Kenya, le catholicisme est très fort, très fort. Et l'anglicane. Alors, amener comme un ministère prophétique et de faire ce que Dieu nous amène à faire, souvent, ce n'était pas facile. Je t'ai combattu, bien évidemment, par Sibanga, par les pasteurs,
Ça commence toujours là-bas. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu m'a établi. Et il continue à établir le ministère avec le signe et le prodige. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, pendant que j'étais en train de prier, surtout pour la France et pour tous les peuples de Dieu, Dieu m'a fait voir une vision. Je vis des gens habillés en blanc avec des bougies. Il y avait la lumière dans les bougies. Mais pendant que je regardais la vision et je regardais les gens, j'ai vu les gens en train de pleurer. Et je demandais à Dieu pourquoi je vois les gens habillés en blanc mais en train de pleurer. Et Dieu me dit, ce sont les gens qui ont été déçus, qui ont été blessés et qui cherchent la délivrance totale et la vérité de Dieu, mais ils n'ont pas eu à voir la vérité de Dieu. Alors Dieu me dit, je t'envoie par la grâce de Dieu pour retrouver ces gens qui sont blessés, ces gens qui sont manipulés, ils ont été manipulés, ils ont été abandonnés, ils ont été, vous connaissez, toutes sortes de choses avec ceux-là qui ont les titres. Et Dieu m'a dit, par la grâce de Dieu, il restaurera toutes ces personnes et ils reviendront dans le bon chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ouvrons notre Bible dans le livre de Deuchronomes. Deuchronomes. Ma Bible, elle est old. Vieille. Je la porte partout. Tout le monde a prié que je change, mais je ne change pas. Amen. Deuchronomes. Chapitre 18. Verset 4. Est-ce qu'une personne avec une voix prophétique peut lire? Oui. Je vais lire la parole de Dieu. Merci. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur demanda, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, montez-y et Dieu la livrera entre les mains du roi. Amen. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici avec un prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise toujours que du mal. C'est Miché, fils de Jimia. Josaphat répliqua, que le roi ne parle pas de cette manière. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jimia. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale. Ils siégeaient sur la place qui se trouvait à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisait devant eux. Zédécias, fils de Kenana, s'était fabriqué des cornes en fer et il affirma, voici ce que dit l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. Tous les prophètes renchérissaient, monte à Ramoth, en Galade, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Miché lui dit, les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux.
annonce du bien. Michel répondu, l'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que mon Dieu dira. Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, Michel, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez-y, vous connaîtrez le succès et ils seront livrés entre vos mains. Le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme les brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel lui a dit, ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit? Ils ne prophétisent rien de bon sur moi, ils ne prophétisent que du mal. Michel ajouta, verset 18. Michel ajouta, eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galade afin qu'il y meure? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi, je vais le persuader. L'Éternel lui a dit, comment je vais sortir? A-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel a dit, l'Éternel dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes, que voici. Mais lui, il a prononcé le malheur contre le roi. Gloire au Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci encore une fois, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous permets même de marcher un peu. Je vous permets. Hein? Ok. La Bible a dit à l'éclair. Juste. La Bible elle est claire dans cette dimension des 400 prophètes. Et ces prophètes étaient appelés les prophètes de roi Akab. Et la Bible dit, Akab pensa aller pour répandre la cité qui appartenait à Israël une fois. Et la Bible dit, il consulta le roi Josaphat, qui était le roi de Juda. Il s'est dit, ok, est-ce que tu vas venir avec moi? Et la Bible a dit, Josaphat, elle a dit, bien sûr, mais à une seule condition, est-ce qu'on peut consulter? Est-ce qu'on peut consulter l'Éternel? Alors, dans ces temps-là, lorsqu'on parle de consultation de l'Éternel, il parle de consultation avec un prophète. Donc, il veut dire qu'un prophète était une personne qui recevait des révélations prophétiques, des révélations, des guidance, des instructions. Des instructions du ciel. Lorsque les gens consultent ce qui est la volonté divine de Dieu. Alors un prophète était positionné pour directionner les gens à ce que Dieu a en train de dire et dans la dimension prochaine qu'il doit prendre. Amen. Et je sais que dans cette génération, ce titre de prophète a été abîmé, abusé. Il y a des choses qui se passent là-bas, bien sûr. Nous avons tous été victimes, même moi aussi. Mais je sais que Dieu, par sa grâce, il restaure cette ministère. Amen. Au Seigneur. Alors la Bible a dit, il consulta l'Éternel. Il consulta l'Éternel. Et par là, il y avait 400 prophètes qui sont venus. Et dans ces 400 prophètes, tous se prophétisaient une seule prophétie. Pars et tu réussiras. Pars et tu réussiras. Pars et tu réussiras. Et la Bible a dit, le roi était très excité. Très excité. Alors suivez-moi vraiment très clair. Très excité parce que tout le monde prophétisait le bien pour lui. Alléluia. Mais
il y avait comme si une comfortabilité, un inconfort dans le roi Josaphat. Josaphat sentait comme si il devait avoir toujours un autre prophète qui devait venir et qui doit prophétiser quelque chose qui va aller avec l'état de l'esprit de Josaphat. Comprenez-moi vraiment très très bien. Alors, Josaphat demanda, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Alors, c'est par là que le roi Akab dira, c'est ça, non? Dira au roi Josaphat qu'il y a un autre prophète, il s'appelle Miché. Et il ne m'a jamais prophétisé ce qui est bon. Retenez ces mots, hein, ok? Il ne m'a jamais prophétisé ce qui est bon. Et la Bible a dit, Miché, avant qu'il puisse venir pour prophétiser au prophète et au roi Akab, il dit, il prononça un statement. Une parole ou un décret. Il décréta ceci, il a dit, je dirai seulement ce que mon Dieu me dira. Je dirai seulement ce que mon Dieu dira. Et la Bible a dit, lorsqu'il quitta, il entra dans la présence des rois. Et lorsqu'il entra dans la présence des rois, la première prophétie qui sortait de la bouche de Miché, c'était la même prophétie que les 400. Roi, élève-toi, pars au combat et tu réussiras. Mais il y avait toujours un inconfort à la personne qui recevait la vérité concernant, according to him, selon lui, par les 400 prophètes. Mais lorsque ces prophètes venaient pour annoncer ce que d'autres prophètes ont été dit, ce n'était pas la vérité pour lui. Mais il demanda avec insistance, dis-moi la vérité. Et c'est par là que le prophète Miché dira la vérité au roi. Je vis l'Éternel en train de siéger dans le ciel avec les êtres célestes. Et c'est par là que Dieu demanda comment est-ce que nous pouvons faire tomber le roi Akab, parce que j'ai eu à faire promesse à lui que dans son temps il ne tombera pas, parce qu'il s'est humilié devant moi, il a demandé la grâce, et alors c'est par là que j'ai promis que je vais détruire après lui sa descendance. Donc il est épargné de tout ce jugement que j'avais adressé sur Israël. Alors c'est quoi le raisonnement ici que Dieu nous amène à comprendre? Il y a deux dimensions ici. Et dans cette dimension ici, nous voyons la dimension par laquelle les 400 prophètes travaillaient. Et nous voyons aussi la dimension que les prophètes Miché travaillaient. OK? Alors, et nous faisons face à la même chose dans notre génération, même l'Église en ces temps. Il y a les 400 qui prophétisent la même prophétie. Il y a aussi de ceux-là que Dieu a épargné qui prophétisent. Ok, c'est que de Dieu. Mais je vais vous choquer. Le 400, ceux qui prophétisaient, les 400 qui prophétisaient, pour les humains, c'est le mensonge. Mais par Dieu, ils faisaient la bonne chose. Ok, est-ce qu'on a ça? À travers les humains, c'est le mensonge. Mais devant Dieu, ces prophètes faisaient une bonne chose. Parce qu'ils disaient ce que Dieu voulait qu'ils puissent dire. Pourquoi? Pour tromper l'esprit d'Akab, qui est le roi. Alors, je veux dire ceci. L'esprit d'Akab a traité le mensonge parce que lui-même était un homme mensonger. Amen. Donc, il veut dire que l'état de son esprit a porté de telles prophéties qu'il voulait. Son ensemble. Et la Bible a dit, à cause de l'état de son esprit, lorsqu'une autre personne qui est venue avec un autre état d'un esprit différent que lui, et lorsqu'il prophétisa la prophétie qu'il voulait, c'était notre prophétie. Donc il veut dire que ce n'est pas la chair qui écoute la prophétie, mais c'est l'esprit de l'homme qui écoute la prophétie. C'est pour cela que la Bible a dit, personne ne peut connaître ce qui se passe à la vie d'une personne, si ce n'est que l'esprit de la personne qui est dedans de lui. Donc il veut dire que la vérité qui est en toi m'amènera à porter la vérité. Amen.
Le mensonge qui est en toi amènera une autre personne qui parle le mensonge à part deux, c'est le mensonge. Assonnons ça. Donc, si nous avons été victimes de mensonges avec les prophètes mensongères, ce n'est pas eux, mais c'était quelque chose en toi qui les a attractés. Amen. Donc, il veut dire que si la vérité vient vers vous, c'est aussi l'état de votre esprit qui a réclamé la vérité. Alors, comme le pasteur vient de lire un verset là, très puissant, il a dit quoi? Ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel quoi? Leur délivra de leur angoisse. Donc il veut dire que l'état de l'Israël était maintenant pire. Leur état spirituel et physique était maintenant pire. Ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel quoi? Envoya quoi? La délivrance. Et la délivrance est venue par qui? Par un homme. Par un homme. Alors, l'esprit de la religion réduit l'homme. L'esprit de la religion pousse les gens à célébrer une personne lorsque cette personne meurt. L'esprit de la religion étouffe l'existence d'une personne pendant que la personne est encore en vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors c'est pour cela que Jésus-Christ devait mourir afin que son esprit puisse être animé par les disciples. De sorte que les gens ne puissent plus encore étouffer la réalité quand il était dans la chair, comme les gens étaient en train de l'étouffer. Mais l'Esprit de Christ s'est distribué aux disciples par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Quand Jean chapitre 14, c'est la Bible, a dit que je viendrai en vous, moi et mon Père, nous serons où? En vous. Mais cela sera possible lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc j'ai le Christ et j'ai le Père en moi par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit l'a rendu quoi? Possible. C'est ça un chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'allais juste toucher à ça. Alors, la vérité, lorsque nous écoutons la vérité, ce n'est pas parce qu'une personne que Dieu l'a envoyé seulement au hasard. Non, il y a des personnes qui sont et qui ont reçu cet esprit et cet état de la vérité qui a traité une autre personne avec la vérité de venir. Pour les enlever de quoi? L'angoisse. Quand on parle d'angoisse, on voit le ténèbre. Et lorsqu'on parle de ténèbre, nous voyons la personne qui rejette ou qui génère le ténèbre. Et cette personne, nous connaissons ça déjà, c'est qui? Lucifer. La Bible a dit, il est le Dieu de ses mortes. Dès Corinthiens chapitre 4, verset 4. Et quel est le ténèbre? Le ténèbre, c'est quoi? Tu es aveuglé. C'est ça le ténèbre. Tu es aveuglé. Si on switch off the light, si on éteint la lumière maintenant, je ne veux plus voir ta face. Il y a des gens qui vont se bang, ils vont se cogner dans des choses, donc il y aura la confusion. Donc il veut dire que la confusion dans une personne, c'est seulement quoi? Le ténèbre. Et l'angoisse, c'est le ténèbre. Alors, c'est que Satan fait ceci. Si tu te dis que vraiment que tu es dans les ténèbres, donc il veut dire que la confusion. Si la confusion vient dans ta famille, la confusion vient dans ta destinée, la confusion vient dans ton mariage, dans tes finances, dans tes projets, ou par lesquels tu commences quelque chose et tu ne vois pas comment cela va se passer. Tu es dans ta famille, tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc tu ne sais pas où tu vas, mais tu pars seulement. Cette personne est en train de travailler avec l'esprit de Caïn. Vagabond. Alors, une des choses, c'est ceci. Dieu envoie la lumière. Par qui? Par un homme. C'est pour cela que la Bible a dit, Dieu choisit Moïse. Et Dieu écouta les cris de ses enfants. Où? En Égypte. Et il parta où? Au désert. Pour amener Moïse, pour délivrer son peuple de l'Égypte. Parce que Moïse était parti maintenant avec quoi? La lumière et la puissance de Dieu. C'est pour ça lorsqu'il toucha son cœur, c'était quoi? La lumière. Et la puissance de Dieu était donnée à Moïse. Dans la délivrance de Dieu, si on parle de la délivrance, on voit un homme. Que Dieu lève. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela, dans chaque famille, quand Dieu veut faire quelque chose, il élève une personne. Amen. 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 Alors le miracle, c'est quoi? Cette personne, Dieu va les connecter avec une autre personne qui a la lumière. Amen. Ou à la vérité. Alors par ce que tu vas écouter, ou dans l'atmosphère que tu es exposé, la puissance et l'impactation divine
va s'attacher à toi. Comme il est écrit que Marie et Élisabeth, les moments qu'ils se sont vus, la Bible dit le bébé, on fait quoi? Tressaillit. Merci, ça c'est le parole le plus simple. Tressaillit. De loin, c'est comme Bluetooth. Alléluia. Vibre, merci. C'est ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, lorsque tu écoutes une personne qui parle la vérité, tu sens une vibration. Amen. Tu sens comme si cette personne est en train de parler à mon esprit. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sens comme si quelque chose est en train de parler au-dedans de moi. Alors, c'est par là que les deux bébés ont été de se confirmer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Alors, par cette connectivité, c'est par là que maintenant, le miracle s'engendre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as pleuré pour notre vie? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Alors, le problème est ceci. Je vais être un peu rapide, ok? Parce que je ne vais pas. On m'a dit ici, il faut être vraiment. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va digérer après ici. Ok? La Bible dit lorsque ils se sont vus, Michel. Est-ce que peux-tu utiliser une personne? Que Dieu soit. Alors, Michée est avec la personne par laquelle le roi avait envoyé. Vous savez quoi? Le roi, il est très excité, il est très content parce que tout le monde prophétise pour lui qu'il y a du bien. C'est ça ce que les gens aiment. Qu'il y a du bien. Et la Bible dit, Michée dit quoi? Je dirai seulement ce que Dieu me dira. La déclaration de Michée, le moment qu'il a déclaré cette parole-là donnait déjà une différente location. 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 Lieu. Un lieu, merci. Localisation. Pourquoi? Ces prophètes prophétisaient dans une place appelée location. Localisation. Localisation qui veut dire qu'il y avait une atmosphère, qu'il prophétisait sous une atmosphère. Ok? Mais la déclaration prophétique de Michée l'amena dans un autre lieu. Parce qu'il s'est déclaré que je suis et je parlerai de ce que Dieu me dira. De ce que Dieu me dira. De ce que Dieu me dira. Les prophètes et les 400 prophètes ont prophétisé à Codine. Selon la réalité de l'esprit de Akab. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc il veut dire que une personne sur la salle peut t'influencer à prophétiser. Amen. Ok, je vais vous faire voir ça un peu. Dans 1 Samuel, la Bible a dit Saül. Est-ce que Saül est parmi? Est parmi? Parmi les prophètes. Pourquoi? Parce que Saül n'était pas un prophète, mais David était un prophète. Alors, qu'est-ce qui a fait que Saül soit confondu avec le prophète? C'était l'atmosphère. Fils et prophète. Pourquoi? Il y avait une personne qui générait et qui dégageait une atmosphère prophétique. Et c'était qui? Le prophète Samuel. Alors, si tu te trouves dans son atmosphère, que tu aimes, que tu n'aimes pas, tu es sous l'onction prophétique. Quand tu t'envoies dans une atmosphère, il y a trop de moustiques. Tu l'aimes? Tu l'aimes pas? On voit quoi? Wow. Donc il veut dire que s'il y a l'atmosphère prophétique, il peut aussi avoir l'atmosphère de prospérité. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Alors par cette atmosphère prophétique, Michée maintenant venu avec dans le palais royal. Il entra. Michée, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oh, prophète, oh, qui? Roi. Ah, et tu réussiras. Mais au-dedans de lui, il a dit non, cet homme est en train de mentir. Oh. Donc il me dit qu'il acceptait les mensonges à cause de la réalité de l'atmosphère que lui-même a dégagée. On voit maintenant. Maintenant, Michée a porté notre atmosphère. Il parla de ce qu'ils étaient en train de parler, mais sa bouche et sa voix étaient différentes que la voix. Est-ce qu'on entend? Amen. Donc là où le mensonge est, le mensonge peut régner.
mais pas jusqu'à la vérité vient. Et lorsque la vérité s'annonce, ça va être comme si les mensonges, parce qu'à cause de l'atmosphère des mensonges. Est-ce qu'on est ensemble? Merci. Comprenez. Alors, Micha portait la vérité, mais la vérité parmi les mensonges est devenue mensonge. Mais les mensonges est devenu quoi? Vérité. Pourquoi? Avec les mains, angoisse. Ils prophétisaient parce qu'ils étaient quoi? Angoissés. Parce que le roi leur donnait à manger. Merci. La Bible dit le juste est corrompu lorsque les cadeaux, bien sûr. Alors, hier, c'est une des choses que Élisée avait ses yeux. Mais Géasi, c'est la même chose, Géasi? C'est la même chose. Alors, Géasi n'était pas patient. C'est pour cela, lorsque le général est venu, le général Naaman, il a amené quoi? Des cadeaux. Regardez ça, des cadeaux. Alors, une des mauvaises choses que le peuple de Dieu font, ils essaient toujours à prédire ce que Dieu va faire dans la vie. Ok, Dieu ne marche pas avec la prédiction, mais Dieu marche avec la foi. Amen. Si vous tombez dans la prédiction des choses, vous marchez comme les hommes. Mais si vous marchez par la foi, vous marchez comme des fils de Dieu. Amen. Alors, quand vous venez dans les réunions, comme ça, prédit comment est-ce que Dieu va faire pour vous. C'est par là qu'il y a le mensonge. C'est pas bon. Alors, Naaman a prédit. Lorsqu'il est venu voir le prophète, il pensait peut-être que le prophète va sortir de sa maison. Il était content. Un général. Il est venu me voir. Alors, peut-être qu'il a beaucoup de choses à me donner. Mais la Bible dit, lorsqu'il arriva dehors, il n'était même pas entré dans la maison. Il était dehors des compagnes. Compagnes, c'est quoi? Parcelles. Dehors les parcelles. C'est par là qu'il parle même entre les murs. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Et lui, il est de l'autre côté du mur. Ah, je viens te voir. Il dit, non, je ne vais pas te voir. Il envoyait son fils pour lui dire que va te plonger dans l'eau. Cette fois, la Bible dit, il était offensé. Pourquoi? Je pensais qu'il allait me voir. J'ai prédit que ça allait se passer dans sa maison, assis. Est-ce qu'on est là? C'est ça le problème avec l'esprit des religions. Ça prédit les choses. Ok, le pasteur va entrer comme ça, il va s'élever, il va dire, il va bouger comme ça, il va donner. Hein? Ça va aller comme ça, et puis à la fin, on se dispense comme ça. Alors, la Bible dit, un homme spirituel est un imprévisible. Et imprévisible, parce qu'il est comme le vent. Comme contrôlable. Là où on veut te contrôler, c'est la place par laquelle on veut que tu sois canal. Alors, même si nous sommes dans ce système ici, dans ce pays, dans ce continent, ou par lesquels ils veulent mettre tout sous contrôle, Dieu, avec ses enfants qui sont spirituels, aura toujours le devant. C'est ça l'esprit de Daniel. C'est pour cela que Daniel a vu la fin. Parce que son esprit aura encore à fonctionner puissamment dans mon temps. Parce que Daniel était dans une place où il était corrompu. Mais la Bible dit l'esprit de Daniel était au-dessus. 10 fois au-dessus de celle qui était là. Il était même le maître des magiciens. Est-ce qu'il y en a là? Donc il dit qu'il conduisait même les magiciens. En autre terme, ça veut dire quoi? Pharmaçonner. Donc, il était au-dessus des pharmaçons. Et le pharmaçon s'agenouillait devant lui. C'est ça l'esprit de la supériorité. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas combattu Lucifer lorsque Lucifer a déclaré la guerre au ciel? Parce que Dieu ne peut jamais combattre sa créature. Ça va le dominer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans une autre créature qu'il a créée pour combattre maintenant le niveau de création. Ouais. Alors, si vous voyez dans nos temps des so-called pères, hein, ce qu'on appelle père dans les maisons, en train de combattre des fils dans les églises, une personne est venue seulement comme ça et la puissance commence à se manifester, commence à être
Ne va prendre mes membres. Tes membres. Quelle église que tu as? Amen. Amen. Je prends l'église. Moi, je prends l'église. Je suis membre d'église. Amen. L'église appartient à Dieu. Amen. Le Christ, c'est la tête. Amen. Nous sommes tous serviteurs. Amen. C'est pour ça que toute fois, j'ai dit que c'est un privilège pour moi de se tenir et de prêcher la parole de Dieu. Yes. Je suis choisi. Mandaté, merci beaucoup. Mandaté pour accomplir un travail spécial. Il prend mes mains. Alors, comment est-ce que je vais manger? Donc, si vous écoutez une personne de faire de parler de telle façon, il est parmi les quatre. Là, je dis, là. Il est parmi les quatre, parce qu'ils sont sources. Mais pas le créateur. Mais les sources et à cœur. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Je peux vous amener une autre question. Oui, oui. Vous devez entrer dans une dimension très spirituelle étant que fils de Dieu. Spécialement, je parle dans le pays de la France. Vous devez monter dans une dimension très élevée parce qu'il y a des choses spirituelles qui se passent dans ce pays. Et ce que je parlais, le magicien par lequel qui combattait Daniel, ça se passe ici. Il y a cette force. Alors, Daniel doit être dans des prières et des réservations. Alors, si Dieu va sélectionner les gens pour élever dans ce pays, ils doivent être comme Daniel, avec la compréhension de Daniel. Parce que nous sommes dans un pays par lequel c'est grec. Dans ce pays, vous devez aller avec la compréhension de l'enseignement prophétique et apostolique. C'est pour cela, si tu viens seulement avec les dons, tu seras rejeté. Parce que Daniel n'a pas seulement fonctionné avec les dons, mais avec la sagesse divine. Et la connaissance divine. Donc il veut dire qu'il doit avoir des révélations. Parce qu'il y a une différence entre l'inspiration et la révélation. Amen. Oh, ça reste. Amen. 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 Ok, on y va. On y va. Je vais toucher à ça entre l'inspiration et la révélation. Regardez maintenant ce qui se passe ici. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène à insister sur ça. Le cadeau, c'est bien. Mais le cadeau doit être attrapé par ton esprit. Amen. Doit être attiré. Ah, merci. Doit être attiré par ton esprit. La Bible dit que la nature de Lucifer, lorsqu'il était au ciel, il était portant des or, des diamants. C'était son habit. C'est ça, non? Il marchait dans la lumière. Les pierres précieuses. Alors, lorsqu'il quitta la présence de Dieu, la Bible dit qu'il est devenu quoi? L'ange du ténèbre. Donc, l'angoisse, la confusion. Ok? Alors, lorsque le prophète Élisée renvoya de loin Naaman, parce qu'il a prédit le prophète, oh, qu'il ne faut jamais faire cela. Il ne faut jamais faire cela. Alors, lorsqu'il faisait ça, la Bible a dit il envoya sept fois, c'est plongé où? Dans la lumière. Et il était quoi? Non, avant ça, il était mécontent. Hein? En colère. En colère. Ah non, 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 comment ça? Il y a des piscines ici, hein? C'est la France. Hein? Il y a de belles places, pourquoi tu m'envoies dans des places qui passent par là? Et la Bible a dit, il y avait un de ses serviteurs qui lui dit quoi? Non, 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 non. Si le prophète te demandait des choses très difficiles, est-ce que même tu allais le faire? Va seulement te prier cette fois. Car l'instruction prophétique te donne l'accès dans ta grâce et dans les terres, dans la terre promise que Dieu a pour toi. Amen. L'instruction prophétique. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle partait et se plongeant sept fois, elle était purifiée. Avec ses cadeaux, il faisait quoi? Il partait avec ses cadeaux. Alors, Géasi s'est dit, non, comment est-ce que mon maître a épargné? Regardez ces paroles. A épargné.
a épargné Naaman, a épargné. Donc il veut dire que mon maître ne laisse jamais une personne sans. Donc il veut dire mon maître ne laisse jamais personne partir de sa présence sans s'aimer. On compense. Okay. Vous voyez ça? Mais comment est-ce que cet homme ici, mon maître, a épargné? Donc il me dit que épargné c'est quoi? Donc écarté. Donc ça se fait jamais. Alors laisse-moi aller rattraper ce qu'il a épargné. Et la Bible a dit il voyagea et parla. Il récupéra ce que le prophète avait abandonné. Et la Bible a dit, soudainement, lorsqu'il retourna, le prophète lui demanda, où étais-tu? Et le Géasi disait, non, j'étais juste quelque part là. Il a dit, est-ce que je n'étais pas avec toi? Mon esprit n'était pas avec toi. Donc il veut dire que l'esprit qui était à Élisée, c'était un esprit qui pouvait se dupliquer. Pourquoi? Lorsque l'onction de Dieu vient sur une personne dans cette atmosphère ici, il y a l'onction qui se dégage. Et si tu t'attaches par l'onction d'une personne, cette part de cette onction, c'est la part de l'esprit de cette personne qui bouge juste avec toi. Ok? Je vais vous faire voir un secret, c'est très très important. Donc il veut dire que si une personne, par exemple, Samuel, il dit à Saül, va, et le moment que tu me quittes, c'est par là que tu verras ça, 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 ça. Okay? Donc il veut dire qu'être dans la présence de Samuel, tu es parti avec l'esprit de Samuel et c'est l'esprit de Samuel qui est en train d'attracter les événements qui est en train de se passer dans ta vie. Je ne sais pas partir là. Donc il veut dire que la réalité des choses qui viennent dans ta vie, c'est juste l'impactation. Amen. L'impactation qui vient d'une personne. Donc il veut dire que Dieu a béni cette personne avec l'abondance de la gloire de Dieu. Alors l'impactation de l'abondance et la gloire de Dieu est impactée par les gens. Et c'est par là qu'il duplique maintenant quoi? La même gloire qui est venue d'une personne. Ah, vous voyez ça? Vous voyez ça? Et c'est soutenu publiquement. Vous voyez, voir Moïse, lorsque Dieu disait à Moïse quoi? Viens et amène le septante. Et j'enlèverai quoi? Un part de ton esprit et je le donnerai aux septante. Et la Bible dit les septante ont prophétisé comme Moïse. Comme Moïse. Et l'esprit n'est pas venu du ciel, mais venu de Moïse. Amen. Vous voyez ça? Alors, une des clés aussi par lesquelles les hommes peuvent attraper la grâce et propulser dans ce système qui est mis en contrôle les gens, c'est quoi? L'impactation. Amen. Amen. L'impactation. Donc, il me dit de monter au-dessus. Et monter au-dessus demande que vous devez être quoi? Spirituel. Parce que la Bible dit ceux qui sont nés d'en haut dominent sur tout. Donc il a dit que vous devez naître non pas d'ici mais venir d'en haut et dominer un système. Système mis sur l'Europe. Système mis sur l'Afrique. Donc il veut dire que vous ne fonctionnez pas basé à l'économie que tous les gens marchent avec, mais vous fonctionnez par l'économie par laquelle là vous venez. Qui est qui? Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors c'est pour cela que je vois qu'il y aura beaucoup de gens qui vont sponsoriser l'église en Europe. Et cela ne viendra pas dans. Mais ils sortiront où? De l'église. Parfois, Dieu accordera la sagesse de Daniel. Amen. La sagesse de Daniel. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Ah, Saint-Esprit, je ne sais pas comment je vais parler ça. Mais regardez, mais la sagesse, je sens beaucoup de choses que Dieu est en train de me dire. La sagesse de Daniel demande quoi? De soutenir et de construire et d'aller au-dessus le système babylonien. Amen. Ok? Parce que le système babylonien se concentre à une personne. Élever une personne. Mais le système de Daniel, c'était quoi? Élever Dieu. Donc il veut dire quoi? Je ne regarde pas ce qui est matériel, mais je regarde ce que Dieu, comment l'élever et l'adorer. Amen. Alléluia. Levez votre main droite. Dis, Saint-Esprit. Je suis parmi ça. Parmi ces peuples. Je suis parmi cette armée. Que tu sélectes en Europe. Pour faire ce travail. Dans les noms puissants de Jésus. Et ton onction descend sur moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ma prière est que les temps que je vais passer avec nous, une semaine ou deux semaines, qu'une part de la grâce de Dieu. Amen. C'est pour cela, Paul a déclaré dans Philippe, il a dit, vous êtes tout pateka.
Vous partagez une partie de ma grâce. Participant de ma grâce. Pourquoi? Participant de l'esprit que Dieu m'a accordé. Vous voyez ça? Donc, il me dit l'impactation de la grâce. Alléluia. Donc, il me dit que si cette grâce est possible, donc il me dit que d'autres choses aussi sont possibles. Merci au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je suis terminé avec ça. Laisse-moi donner un exemple. Une personne est possédée. Il est malade, ou elle est malade, ou sous l'emprise des démons. Vous savez que cette emprise des démons a été impactée par cette personne par cause quoi? De l'impactation du sang qui a été circulé dans cette personne. Amen. Okay? Donc il veut dire le sang part. Le sang attracte l'esprit. C'est pour cela qu'on parle de bloodline. La lignée du sang. Pourquoi? La Bible dit le sang. Regardez maintenant. La Bible dit vous ne buvrez point le sang d'un animal ou d'un homme. Pourquoi? La vie se trouve dans le sang. Alors il y a d'autres interprétations qui disent l'esprit des personnes est sur le sang. Donc il veut dire que le sang attrape l'esprit. Et l'esprit demeure au-dessus là où le sang devait fonctionner. Alléluia. Merci. Amen. Merci. Je transpire en France. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Donc il me dit que le sang attrape quoi? L'esprit. Et non, ensemble. Donc il me dit que lorsque le sang vient sur toi, tu attrapes l'esprit de cette personne. Et à chaque fois que nous prenons le Saint-Saint, nous attendons quoi? La souvenir, ou le souvenir de la personne de qui est le Christ. Et qui attaque aussi quoi? L'esprit du Christ. Parce qu'il a dit, lorsque vous m'appelez, je serai parmi vous. Quoi? Physiquement? Non. C'est quoi? Spirituellement. À cause de quoi? De son sang. Ouais. S'il y a des complications dans ta vie, des complications dans ton mariage, dans tes finances, ce n'est pas un hasard, mais il y a le sang qui a été impacté et qui a attrapé un esprit. Yes. Amen. Ok? Alors, pour toi maintenant de monter au-dessus de ces malédictions, ok? Vous devez entrer dans une autre famille. Amen. Qui est la famille? La famille Christ. Amen. Qui est la famille quoi? Spirituelle. C'est le moyen le plus facile pour les gens de sortir des malédictions quoi, familiales. Amen, 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 amen. Alors, si je t'aime pas, et qui, ça ne peut jamais se faire avec moi, je t'aime. Mais si une personne ne t'aime pas ou bien n'a pas cette connaissance, pas de dire quoi, moi j'ai 14 jours. Tu gênes. Après gêner, il y a encore plus de manifestations. Parce qu'il y a une chose, l'esprit de la pauvreté rébelle le plus lorsque tu le combats dans les prières. Ok? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si la personne a la connaissance spirituelle, ils vont t'envoyer en prière, mais il va t'amener à une impactation que tu changes de famille. Alors, cette transaction n'est pas donnée à toute personne, c'est donnée à des personnes qui opèrent dans les systèmes spirituels. Amen. Vous connaissez ça? Alors, qui peut t'amener, qu'on appelle ça la couverture spirituelle, Amen. Par laquelle tu sors d'une façon que cette famille que tu étais, où on tuait les gens chaque année, on faisait que les gens ne puissent pas avoir jamais de millions, il n'y a pas de millionnaires, les gens ne voyagent pas. Quand tu voyages, tu dois mentir d'ici jusqu'à là-bas. Les gens ne se marient pas. Tout cela, quoi, c'est le système de sang qui attraque toi, le même esprit ancestral de venir. Alors, qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que la personne va faire? Couper. Lien. Alors, couper, c'est quoi? Te faire sortir. Tu n'appartiens plus dans cette famille. Tu appartiens maintenant dans cette famille. Donc, je t'attrape par force. Je t'attire par force. Ok, toi-même, lorsque tu as fait ça, tu as prié. Tu as invoqué les saints de Jésus. Tu as prié, gêné. Rien ne s'est passé parce que
l'autorité spirituelle ne t'expecte pas toi de te délivrer, une autre personne doit te délivrer. En prison et toi-même tu as ton propre clé et tu t'ouvres. C'est pour cela même Jésus était mort, il est allé où? En enfer. Pourquoi? Libérer les saints qui étaient là. Parce qu'il avait quoi? Le clé. Il a pris ça de qui? De Satan. Alors je ne suis pas avec cela. J'aime pas cela qui dit ok, va prier, Dieu va briser toutes ces malédictions. Non. Les malédictions est chemin pour toi de quitter. Sors de cette famille. Abraham, quitte ton père, la maison de ton père, et va là où je t'ai montré. Donc, autant que tu es dans cette maison, tu es, il n'y aura pas aux idoles des affamés. Il y aura des duplications, des manifestations de ce que ton père a vu. Ça se manifeste dans ta vie. C'est pour ça que tu essaies de monter, mais tu tombes. Laissons. La couverture spirituelle. Et lorsque je vois les Français, ils n'aiment pas ce qu'on appelle couverture. Donc, les Anglais évoluent parce qu'ils ont eu cette connaissance. C'est pour ça que lorsque j'ai eu cette connaissance, j'ai dit, mon Seigneur, la francophonie a monté beaucoup de choses. On allait être très loin. Parce que la couverture demande la soumission. Amen. C'est pour cela Amen. Lorsque tu n'es pas humble, tu ne peux jamais demander une couverture spirituelle. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit quoi? Toute justice doit se faire. J'ai maintenu devant qui? Jean, bénis-moi. Jean. La francophonie. Non. J'ai ma Bible. Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est bon. Ok? Vous savez, même cette Bible ici, tu dois avoir la quoi? Il y avait quoi? Les gars qui venaient quoi? De l'Éthiopie. Ils étaient en train de dire quoi? Esaïe. Dieu. Et la Bible dit, Dieu parla à Philippe qui dormait. Va. Il y a une personne qui est en train de lire ce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il a dit, moi, c'est seulement la Bible, et prier moi-même, et Dieu me se révélera. Et la Bible a dit, Dieu envoya qui? Philippe, pour l'enseigner ce qu'il parle. C'est ça ce qui manque avec la foi. Amen. Alléluia. Amen. La spiritualité, l'humilité te fait voir que tu as besoin d'aide. Amen. Il y a de ceux-là qui sont libérés, que Dieu va te donner la connaissance comment est-ce que tu vas aller et être compté. C'est pour cela que la Bible a dit dans Hébreu, le petit est béni par les grands. Les grands bénis quoi les petits? C'est un principe spirituel. Et ça se passe de cette façon. Et ça demande quoi? L'humilité. L'humilité. C'est pour cela que les 50 des disciples des prophètes Élie, ils n'ont pas vu comme père, mais Élisée l'a vu comme qui? Père spirituel. Or qu'Élisée était plus âgé qu'Élie. Amen. 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 Élisée était plus âgé qu'Élie. Ah ouais? Oui. Il est grand esprit. Voilà. Il est grand esprit. Grand esprit. Ils sont pas très bien pour ce que même regardez, il n'y avait personne parmi les disciples de Jésus-Christ qui avait le même âge que Jésus-Christ. Tout le monde était comme Jésus. Amen. Donc il veut que la spiritualité, comme vous avez dit, l'homme de Dieu avait dit, la spiritualité ne se caractérise pas par l'âge, Amen. Mais Amen. Par les expériences et la capacité que cette personne a développée Amen. Spirituellement. Amen. Très important. Très très important à connaître et à recevoir. Amen. Alors, je ne peux pas finir maintenant. Amen. On a fait. Mais tout ce que je voulais mieux vous faire voir est ceci. Dieu vous appelle. Amen. C'est une appel. Toi-même, tu as essayé, tu tombes. Tu as gêné les plus grands jeunes, tu tombes. Mais Jésus t'aime. Et la manière par que Jésus-Christ démontre son amour, c'est quoi? Envoyer une personne auprès de toi. C'est pour cela que si on vous reçoit, on les reçoit. Amen. J'ai prêché un message qui est intitulé Dieu, non, ou l'esprit, demande des esprits. Et j'ai eu à déclarer quelque chose là qui était très bon. J'ai dit,
Quand vous cherchez Dieu, c'est Dieu-là que vous cherchez. N'est pas au ciel, mais c'est en homme. Ça va un peu bouger. Mais j'ai expliqué comment est-ce que Dieu se cherche et comment est-ce que Dieu se trouve. Parce que l'esprit de ces dieux-là, parce que la réalité d'une personne n'est pas la chair. La réalité d'une personne, c'est l'esprit. Alors cet esprit a quitté les ciels. Il est parmi. Il est où? Dans l'église. Et qui? Il vient sur les hommes. C'est pour cela, lorsque Philippe était à Samarie, il a délivré, il a guéri, il a chassé les démons. Mais il n'était pas capable de faire passer l'esprit de Dieu aux autres. Il a attendu jusqu'à Pierre et Jean puissent venir pour poser les mains. Donc il veut dire que Pierre et Jean étaient l'héritier de la réalité de la présence tangible de Dieu. Si nous reconnaissons, nous sommes humbles et réalisés, c'est là qui ont Dieu et qui veut passer l'Esprit Saint aux autres. L'Église, elle est dans une autre place. Amen. Alléluia. Amen. C'est un message dur, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça qui nous fera que nous soyons différents que les 400 et Michel. 400 et Michel. Et la différence, c'est quoi? La source. La source. La source. La source des 400 était le roi Acab. La source des Michel, c'était qui? C'était Dieu. Alors, le 400, vous êtes inspiré, mais Michel est influencé. Amen. Okay. Amen. Okay. Alors, l'inspiration peut t'amener au mensonge, mais l'influence t'amènera à la révélation. Amen. On est ensemble. Parce que la révélation t'amène à la personnalité d'une personne. De connaître une personne. Et cette personne te doit t'influence à devenir comme lui. Ils étaient sous l'inspiration d'un esprit de mensonge. Donc, il dit qu'ils opéraient par les dons. Ils opéraient par les miracles. Ils opéraient par les dons. Non, pas par l'esprit. Parce que l'esprit s'est dégagé de pourquoi? Parce que les prophètes, ils étaient où? Dans la place où la chair avait dominé sur eux. Et l'esprit de Dieu n'était plus sur eux. Alors, lorsque l'esprit de Dieu était sur Michel, ça lui épargnait les autres. Ça lui épargnait. Alors, ma prière est que Dieu va vous épargner les autres. Amen. À cause de ce que vous écoutez, à cause de ce que vous allez voir, amen, ça va vous mettre où? Allez, à l'écart. Dis avec moi, je suis à l'écart. Je suis à l'écart. Je suis à l'écart. Je suis à l'écart. Mettez Barnabas et Paul où? À l'écart. Parce qu'ils ont une mission spéciale. J'ai pris pour la spécialité ce soir. Ah, j'ai pris pour la spécialité en ce soir. Même si vous travaillez là, vous partez, la spécialité, c'est bien. Vous avez une main grave. Est-ce qu'on est prêt pour ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour ce soir? Maman, je prie pour toi. Et pendant que je parlais, vous avez un ministère pastoral, mais l'ennemi a étouffé cela. Vous devez servir Dieu grandement, puissamment, mais l'ennemi avait étouffé ça. Lorsque vous êtes en train de grandir. Et surtout lorsque vous êtes déplacé aussi, c'est bon. Mais je vois la restauration que Dieu a en train d'apporter. Amen. 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 Comment est-ce que vous avez fait le business en votre vie? Vous essayez? Nothing to show. Nothing to show. Hey, you even speak English? No. I. Gloire au Seigneur, pas clamer pour Seigneur. Parce que je vis, c'est comme s'il y avait une force qui mandatait à surveiller tout ce qui vient dans tes mains pour l'appartenir. Et chaque fois, je rêve des drones sur mes films. Ah voilà, surveillance. Alléluia. Ils ont mis des choses pour surveiller tout ce que je voulais faire. Parce que je veux que Dieu allait te connecter très fort. Très, très fort. Très, très fort. Et surtout, Dieu va aller t'amener même à être à travers avec le monde arabe. Amen, je le reçois. Parce que la richesse que Dieu allait te donner, c'était elle est très forte. Mais c'est comme si l'ennemi était en train tout le temps à surveiller tous les mouvements. C'est pour cela même, lorsque tu grandissais, tu avais des rêves qui venaient toujours dans ta vie. Où tu te voyais dans des places un peu confines. Confines, lorsque tu grandissais. Et l'éternel en train de me dire, ta maman, elle s'est crochée toujours dans la prière qui priait pour toi tout le temps. Elle est au contraire.
elle est décédée, mais c'est de braves dames de nous en démarrons, donc elle... Et le problème, je vois ceci, c'est comme s'il y avait aussi des gens que l'ennemi avait mandatés pour voler des business, des investissements. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? Chantal. Chantal. Rebecca Mamé Chantal. Rebecca Mamé Chantal. Les gens appellent Chantal. Ah. Ok. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Amen. Est-ce qu'on peut juste prier pour quelques minutes? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les prier? Amen. Ils auront prié. Mais je vois comment l'esprit, la maladie que l'ennemi va injecter sur ce système. La maladie. Souffre et souffrance.